Boker Tov, Boker Or. Poursuivons ce matin dans Ilchot Birkot HaTorah. Jusqu'à présent, nous parlions de Birkot HaShachar. Semaine passée, nous avons abordé les Halachot de Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, ce sont les brachot que l'on lit à la fin des brachot du matin, à partir desquels on aura le droit d'étudier la Torah. Le premier passage d'étude, c'est le passage de Vaïdaber du Birkot Kohanim. Et puis, par la suite, on étudiera grâce à ces brachot tout au long de la journée, sans avoir besoin d'en faire une seconde. Qu'en est-il des horaires de Birkot HaTorah ou Birkot HaShachar? À la fin des Maaseh, c'est noté que ces brachot-là doivent être dites à partir de Halot HaShachar et non pas avant. Que ce soit les Birkot HaShachar, que ce soit les Birkot HaTorah. La personne qui se lève très tôt et qui a envie d'étudier de la Torah au milieu de la nuit ou bien avant Halot HaShachar devra réciter les brachot de Birkot HaTorah avant d'étudier. Pourquoi? Une fois qu'il s'est endormi, c'est-à-dire qu'il a dormi, ses brachot de la veille ne peuvent plus lui servir pour l'étude du jour du lendemain, il y a eu une hafsaka, une interruption, à partir de ce moment, il sera donc obligé de dire à nouveau les brachot même avant le halot hashachar. Une personne qui par contre veille toute une nuit, qui n'a pas dormi la nuit, donc il n'y a pas eu d'interruption à ce moment-là, pourra poursuivre son étude jusqu'au petit matin, et après halot hashachar, après le lever du jour, pour dire à nouveau les Birkot HaTorah, vos primes.